Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet, des coutes anglaises au crochet, avec ce très joli motif de feuilles qui monte. Alors, je vous dis d'avance, il n'est pas spécialement difficile. On a simplement besoin de pas mal de concentration au départ. Alors, pour une fois, je vais vous conseiller quelque chose que ce serait vraiment bien de mettre en pratique et vous verrez que ça va tout seul après. C'est de prendre un stylo et un papier, de marquer les rangs qu'on va faire. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, on va faire que répéter certains rangs, puis ce n'est pas deux, trois rangs qu'on va répéter. Alors, par exemple, ici, pour réaliser juste cette partie-là, ici, juste cette petite partie-là, on va faire au total, pardon, j'ai dû voir sur mon papier, 19, on va répéter 19 tours. Parce qu'on va faire les deux premiers, la base. Ensuite, on va faire des va, des vient, des va, des vient qui vont compter comme des tours. Des va, des vient. Au total, pour ces motifs-là, on va en faire 19. 19 tours. Pour terminer ici, on va en répéter 6. Dès qu'on a fini cette partie, si on désire refaire un deuxième motif, ben là, on va devoir tout reprendre à zéro. En partant du tour numéro 1, numéro 2, et répéter exactement le même nombre de tours. Les 19, quand on a terminé les 19, faire les 6 de plus ici de ce côté-là. Et ainsi de suite, en fait. Il n'est pas du tout compliqué. Sincèrement, il est vraiment simple à réaliser, mais il faut vraiment, vraiment, c'est prendre un papier, un stylo, marquer le nombre de tours. À un moment donné, je vous dirais, ben maintenant, on va répéter le tour numéro 12, du 12 au 18. Quand on arrive au 18, on a donc le tour numéro, disons, fait le 19, pardon. Et pour le 20, on va répéter le tour 12. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que on est terminé notre première rangée. Après, si on désire une deuxième, et on reprend tous les tours depuis le premier tour. Alors, après, c'est à vous de voir si vous voulez faire les mailles de départ sur la largeur ou sur la longueur. Personnellement, ici, on voit très bien que ça ferait une superbe écharpe. Donc, il faudrait faire un nombre de mailles chaînettes de la longueur totale. Si vous voulez une écharpe de 2 mètres, ben, vous devez faire des mailles chaînettes d'une longueur totale de 2 mètres. Un exemple. Là, je le trouve magnifique, c'est pour une couverture naissance. Donc à ce moment-là, vous partez sur la longueur totale de votre couverture et ensuite vous travaillez sur la largeur. Ça paraît compliqué comme ça, mais je vous garantis que ça l'est pas. C'est simplement, franchement, c'est vraiment prendre des notes et répéter le tour en permanence et ça se fait vraiment tout seul. Alors moi ici, personnellement, j'ai fait un simple échantillon parce que j'ai eu de la peine à m'arrêter tellement que ça va assez vite. Alors, donc j'ai pris de la Zurite 100% acrylique, j'ai pris le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce que vous avez sous la main en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser. Donc ici, ouais, je crois que je vous ai tout dit. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Lien direct pour Instagram, Facebook. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, pour réaliser ce magnifique point, personnellement, je vous conseille, c'est de prendre un bloc-notes, un stylo, et puis de marquer chaque tour. Parce qu'au bout d'un certain nombre de grands tours, on va devoir revenir au premier, donc les deux premiers qu'on va commencer maintenant. Ce sera beaucoup plus simple si vous avez écrit, comme ça, vous n'avez plus qu'à suivre. Alors, pour réaliser ce point, on va simplement faire des mailles chaînettes. Donc, on va commencer par le nœud de base. Et là, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 10. Ça veut dire la table de multiplication de 10. Donc de 10, on dit 10, 20, 30, 40, 50 et ainsi de suite. Donc vous allez faire votre multiple de 10 plus 5 à la fin. Je vais vous faire un échantillon, donc je ne sais pas combien je vais en faire. Alors ici, j'ai fait 50 mailles chaînettes plus les 5. Donc au total, j'ai 55. Vous faites en fonction de vos mesures. Alors le premier tour, les deux premiers tours, ça va être le tour de base. Donc on va devoir revenir dessus après. On va faire un jeté. On va passer ici notre première maille sur le crochet. On va ici dans la deuxième, on rentre, on ramène. Et là, on traverse directement
les deux boucles. Pas forcément évident au départ. Donc on passe la première, on va dans la deux. Un jeté. Suivante. Pareil. Vous avez compris que tranquillement, on va répéter ce même procédé jusqu'à la fin de toutes nos mailles chaînettes. Ici, quand vous avez terminé, moi j'avais commencé avec une base de 55. Automatiquement, j'en ai un de moins puisqu'on a passé la première. Donc vous, si vous avez commencé avec une base de, je ne sais pas, 105, c'est logique qu'à la fin, vous en aurez une de moins, vous en aurez 104. Ça, c'était le premier tour. Le deuxième, à partir de maintenant, tous les tours, on va les démarrer de la même façon. On va les travailler exactement de la façon dont on vient de le faire. Pour le deuxième tour, on va répéter le premier. On va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. À partir de maintenant, on va travailler sur le brin ici du haut de notre fil. On passe la maille en l'air qu'on vient de faire. Un jeté, on va dans le brin du haut et là, on va faire la même chose. On ramène, on passe à travers le tout. Le brin du haut. De nouveau jusqu'à la fin. Alors ici, j'ai pas terminé, c'est simplement pour vous montrer, en tout cas moi personnellement, j'ai souvent tendance à faire cette bêtise, c'est qu'ici, nous avons notre dernière maille. On a souvent tendance à l'oublier. Si on l'oublie, automatiquement, notre travail aura plus le même nombre de mailles et surtout, il sera pas droit. Donc à toujours bien faire attention ou au pire des cas, vous pouvez mettre simplement un repère, un petit marqueur de maille. Ce sera plus simple. Donc ici, on a terminé le deuxième tour. Alors maintenant, pour le tour numéro 3, on va dans tous les cas commencer pareil, faire la maille en l'air et on va tourner. Pour le tour numéro 3, on va faire 14 points. Donc là, on a fait, chaque fois, on a fait un point dans un point. Là, on va en faire 14 de suite. Donc le jeté, on passe la première, on va dans la deux et on recommence. Si vous trouvez que c'est plus simple, comme je vous ai dit, ça ne coûte rien. C'est marquer la première, comme ça vous êtes sûr de ne pas l'oublier quand on va revenir. Donc une. On va en faire 14 de suite.
13 et la 14. Donc ici, on a fini le tour numéro 3. Le tour numéro 4, on va faire une maille en l'air et on va tourner. Le tour numéro 4, on va également faire, donc on passe la première, on va dans la 2. On va également faire 14 points. Donc 1, 2. 13 et la 14. Donc on vient de finir le tour numéro 4. Le tour numéro 5, une maille en l'air. Et là on va faire 12 points de suite. Donc le jeté, on passe la première, on va dans la 2. Et là on va en faire 12. Donc ici, j'en ai fait 12 de suite. On va attaquer le tour numéro 6. Le tour numéro 6, on va faire pareil, une maille en l'air. Et là, on va faire les 12 de suite. Donc on passe la première, on va dans la 2. On va travailler sur les 12 qu'on vient de faire. On a terminé le tour numéro 6. Pour le 7, on va tourner, faire une maille en l'air et tourner. Là, on va en faire 10 de suite. Donc, on passe la première, on va dans la 2 et on va en faire 10. Le tour numéro 8, vous avez compris, on va faire une maille en l'air, on va tourner. Là, on va faire donc les 10 de suite. Les 10. Pour le tour numéro 9, on va faire une maille en l'air et tourner. Là, on va en faire, donc on passe sur la première, ça ne change pas. On va en faire 8 de suite. Huit.
Pour le tour numéro 10, on tourne la maille en l'air, on tourne et là on va travailler sur les 8. Alors ici on a terminé le tour numéro 10. On a un escalier de 4. À chaque tour ici on en avait laissé 2, on a laissé 2, on a laissé 2. Pour le tour numéro 11, on va faire 24 points. Ça veut dire qu'on va faire ici sur le haut, on va descendre et continuer ici. Donc pour ça, la maille en l'air. On passe le premier comme d'habitude, on va dans le 2. Et là, on va devoir compter. Donc 1, 2, 7. Ici, on a bien les 8. Ok. Alors, je vais essayer de vous montrer. Là, on va descendre. Ici, sur cette ligne, on a ici cette maille-là. Donc là, ici, on en a 8. Donc ici, on prend notre maille. On fait le jeté habituel. On a les 2 qu'on avait laissés ici. Donc, on va directement dans la première. On ramène et on fait traverser le tour. Donc là, on en a 9. Un jeté. On va ici dans la dernière. On a la 10. Et là, on va recommencer. Donc, on prend bien ici le fil qui est tout seul. On fait un jeté. On passe directement au rond ici. 11, la 12, la 13, la 14. Alors ici, on fait pareil. Et on va directement ici sur notre base. On a fait la 15. On va faire 25 comme 24, pardon. Donc 15. Là, on va continuer. Donc ici au tour numéro 11, pardon, on a 24 points. Pour le tour numéro 12, on va faire une maille en l'air, on va tourner et là on va faire 16 points. Donc on passera toujours le premier qui correspond à la maille en l'air et on va toujours les travailler de la même façon. Et là on va en faire 16 de suite. On a terminé le tour numéro 12. Pour le 13,
On va tourner et là on va en faire 14 de suite. On passe la première et on en fait 14. Pour le tour numéro 14, on tourne et là on va en faire 16 de suite. Donc ici j'ai pas terminé, je n'ai fait que 13 pour l'instant. Donc on va bien travailler le 14e. Comme on l'a fait tout à l'heure, on va ici au centre prendre bien ce fil-là, faire le jeté, attraper la maille qui se trouve devant. Donc on a fait 15. Et dans la suivante, on fait la 16. Pour le tour numéro 15, on fait une maille en l'air, on tourne. Là, on va en faire 14 de suite. Pour le tour numéro 16, on fait une maille en l'air, on tourne. Pour ce tour-ci, qui sera le 16, on va en faire 16 de suite. Donc 13, la 14, la 15 et la 16. Pour le tour 17, on va en faire 14 de suite. Pour le tour 18, on tourne. Et là, on va en faire 16 de suite. Donc, j'ai fait la 14. On prend bien ici notre fil, le jeté, la 15 et devant, la 16. Pour le tour 19 qui sera le prochain,
On va en faire 32. Ça veut dire qu'ici, on va faire la maille en l'air, tourner. On va travailler ici nos 16. On va descendre jusqu'à en avoir 32. Donc ici j'ai la 16. Vous avez compris à nouveau qu'on va faire ce qu'on a déjà fait. On prend bien ici notre maille, le jeté, on passe directement dans la première que nous avons devant. Donc là on a la 17, la 18. Pas forcément évidente celle-là. La 20. La 21. La 22. La 23. Alors ici au tour numéro 19, nous avons 32 mailles. C'est pour ça que vous avez dit de prendre des notes, parce que alors c'est pas compliqué. Si vous avez pris des notes, c'est simple. Ce qu'on a fait au tour numéro 12. Au tour numéro 12, on a fait 16. Au tour 13, on a fait 14. Au tour 14, on a fait 16. Au tour 15, on a fait 14, au tour 16, on a fait 16, au tour 17, on a fait 14, au tour 18, on en a fait 16, au tour 19, on en a fait 32. On va répéter. Donc ici, on a terminé le tour 19. Le tour 20, les prochains, ça va être la répétition du tour numéro 12, du 13, du 14, du 15, du 16, 17 et 18. Quand vous avez répété, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quand vous avez répété cette tour, vous reprenez le tour 19 avec 32. C'est comme je vous ai dit, si vous avez pris des notes comme moi, parce que là, autrement, je n'en sortirai pas. Donc ici, je vais vous remontrer encore une fois ou deux pour être vraiment bien sûr. Pour le tour 19, le tour 20, pardon, je vais y arriver. Le tour 20, on va faire la même chose qu'on a fait au tour numéro 12. Ça veut dire que pour le tour numéro 12, voilà. Chaque fois que vous avez terminé ce tour-ci en fonction de la taille que vous êtes en train de faire, chaque fois que vous avez terminé le tour avec les 32, vous allez reprendre 16, 14, 16, 14. Donc j'ai fait ma maille en l'air. Ici, le tour 20. Hop. On va en faire 16 de suite. On va toujours passer la première, ça ne change pas, et on va toujours travailler de la même façon. Donc 16, 1, 2.
Et ici, mes 16. Donc, maintenant, on va... Maintenant, on va faire les 14. Donc, on va répéter le tour numéro 13. Maintenant, on va répéter le tour numéro 14. On en a fait 16. Donc ici, je n'ai fait que 14 parce que je vais vous remontrer une dernière fois. Là, le jeté. On recommence. Ça peut durer longtemps. Là, on va y arriver. La 15. Et la 16. OK. Le prochain, vous avez compris qu'on va en faire 14. Quand on a fait les 14, vous avez compris qu'on tourne. Et là, on va répéter les 16. Donc ça, vous allez répéter jusqu'à ce qu'on ait de nouveau notre petit escalier avec les 4 quatre marches, si on peut dire ça comme ça. Alors maintenant qu'on a de nouveau l'escalier avec les 4 marches, à ce moment-là, on va reprendre le tour numéro 19. Ce qui veut dire qu'on va faire 32 points. Donc on va travailler ici. Nos 16 au centre sur les deux qui restent jusqu'à ce qu'on ait de nouveau 32. Dès qu'on a de nouveau les 32, on va recommencer le tour numéro 12 en faisant 16, le numéro 13 en faisant 14, le 14 en faisant 16, le 15 en faisant 14, le 16 en faisant 16, le 17 en faisant 14, le 18 en faisant 16. Dès qu'on a fait de nouveau notre escalier, on reprend le tour numéro 19. Tour numéro 19, on va faire 32. Alors, comme je vous ai dit, et même en début de présentation, si vous avez pris des notes jusque-là, donc écrit comme moi ici à côté, tout est marqué pour que ça soit plus simple, vous allez simplement maintenant répéter ce même procédé sur la longueur que vous avez choisie. Alors ici, je n'ai pas fini comme vous pouvez le voir, je vous montre petit à petit l'avancée du mien. On s'est arrêté ici à ce deuxième motif, j'ai fait que répéter. Maintenant que j'ai de nouveau mon petit escalier de 4 marche, je vais reprendre le tour avec les 32 points et reprendre 16, 14, 16, 14 et ainsi de suite. Donc je laisse continuer, je vais avancer encore un petit peu. Alors ici, je suis arrivée où j'ai fait de nouveau mes 32 mailles. Et quand vous êtes donc ici à la fin de votre travail, de la longueur que vous avez décidée, vous allez dans tous les cas reprendre le tour avec les 16, les 14, les 16 et les 14. Donc, je vous laisse terminer également cette partie-là comme on l'a fait jusqu'à présent, 16, 14 et ainsi de suite, jusqu'à avoir les 4 petits escaliers. On se retrouve après. Alors ici, quand on a répété, qu'on a de nouveau notre escalier, on va attaquer, on va faire ici de ce côté ce qu'on avait fait ici au départ. Et après, dès qu'on aura fait donc cette partie-là, ici à la fin, dès qu'on aura fait cette partie-là, on va reprendre le tour 1 et 2. On va recommencer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc ici, pour la partie finale, on va faire une maille en l'air et on va tourner. Là, on va travailler toutes nos mailles comme elles se présentent. Et après, on va travailler ici sur le côté. Alors ici, j'ai travaillé mes 16 points. On va prendre la maille ici au centre, le jeter,
Directement, celle qui se trouve en dessous. Donc ça fait la 17, la 18, la 19, la 20. La 21 et pour terminer la 22. Là. C'est maintenant qu'on va reprendre la même chose que de l'autre côté, je vais vous montrer. Alors pour faire la même chose qu'ici, on va commencer par faire un premier, on va faire une maille en l'air. Et là on va faire 8 mailles de suite. Donc on va travailler comme on l'a fait jusqu'à présent. On passe la première, on va dans la 2. Là, on va en faire 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 7, 8. On tourne. On va refaire 8 de suite. Une maille en l'air. Là, on va en faire 10. Donc 8, vous avez compris que maintenant on tourne un peu. Neuf, dix. Bien, ok. Là on tourne et on va en travailler 10. Là, on va en faire 12. Donc, j'ai fait les 10. Ici, je vais faire la 11 et la 12. On tourne. Là, on va en faire 12. Alors maintenant, on va tourner et on va faire 14 de suite. Quand on a fait les 14 de suite, une maille en l'air, on tourne. Et pour notre dernier tour, vous avez compris qu'on va faire les 14. Alors ici, on a terminé comme on avait commencé. À ce stade-là, on a terminé tous nos tours.
Maintenant, pour recommencer de nouveau les mêmes tours, on va reprendre le tout premier tour, le tour de base, où on doit avoir le même nombre de mailles qu'on avait au départ. Donc la maille en l'air, ça ne change pas. On va tourner. Et là, on va tous les travailler. Et en même temps, vous allez profiter pour les compter, être sûr qu'on a le même nombre de départs. Donc on passe la première, on va dans la 2 et on commence. Alors ici, on a terminé le tour numéro 1, donc celui où je vous avais dit de prendre des notes. Maintenant, là, j'ai le même nombre de mailles qu'au départ. Maintenant, vous avez compris, on va reprendre le tour numéro 2. On va de nouveau faire simplement une maille dans chaque maille, toujours de la même façon. Alors ici, on a terminé le tour numéro 2. On va attaquer le tour numéro 3. Et ça, on va reprendre comme on l'a fait au tout départ. Le tour numéro 3, on a fait 14 de suite. Donc là, on va reprendre tous les tours. Donc là, on va en faire 14 de suite. Le tour numéro 4, on avait fait 14 également, donc on tourne et on reprend les 14. Le tour numéro 5, on avait fait 12, donc ici, on va en faire 12. Alors, pour éviter que la vidéo soit trop longue, comme je vais faire encore un petit moment avec vous pour être bien sûr que c'est clair pour tout le monde, je vais vous dire au début à chaque fois combien on en fait. Comme vous avez compris comment le faire, vous le faites tranquillement. Donc ici, pour le tour numéro 5 à nouveau, on va faire 12 de suite. Pour le tour numéro 6, on avait fait 12. Donc là, le tour numéro 6, on va en faire 12. Là, on voit qu'on commence à voir le petit escalier. Pour le tour numéro 7, on en avait fait 10. Donc, le tour numéro 7, on va en faire 10. Pour le tour numéro 8, on en avait fait 10. Donc, le tour numéro 8 ici, on va en faire 10. Pour le tour numéro 9, ouais, c'est ça, 9. On avait fait 8, donc le tour numéro 9, on va en faire 8 de suite. Pour le tour numéro 10, on en avait fait 8, donc là, on va en faire 8. Alors ici, on a de nouveau notre escalier, avec
Les quatre marches. Le prochain tour, ça va être le tour numéro 11. Le tour numéro 11, on va faire 24 points. Donc on tourne, et puis là on va faire ce qu'on a déjà fait, tout simplement. Et on va en faire 24. Automatiquement, on va redescendre, comme on a déjà fait à plusieurs reprises. Donc, je vous montre une dernière fois. On prend bien ici, sous la maille, le jeté. Ici, on en a deux. Donc, on prend la toute première. Donc là, ça nous en fait 9. La suivante, ça va faire 10. Donc là, vous allez simplement descendre, comme on a déjà fait dans les premières prises. Jusqu'à avoir 24. Alors ici, j'ai mes 24. Pour le tour numéro 12, on va faire 16. Le tour numéro 13, on va faire 14. Le tour 14, on va faire 16. Le tour 15, on va faire 14. Le tour 16, on va faire 16. Le tour 17, on va faire 14. Le tour 18, on en fait 16. Et le tour 19, on en fait 32. Et on recommence le tout. Donc ici, pour le tour 12, on va en faire 16. Alors je vous laisse faire les 16. Donc ici, j'ai fait les 16. Après, vous avez compris, pour le tour numéro 13, on va en faire 14. On va faire 16, 14, 16, 14, jusqu'à avoir de nouveau le petit escalier. Donc là, on tourne. Et là, on va en faire 14. Donc là, on va en faire 16. Donc là, on a refait les 16, on va refaire les 14. On a fini les 14, on reprend les 16. Alors ici, j'ai avancé et continué comme on l'a fait, jusqu'à avoir de nouveau mon petit escalier avec 4 marches. Dès qu'on a de nouveau ici l'escalier avec les 4 marches, on va reprendre le tour numéro 19, où on va faire les 32. Dès qu'on aura fait les 32, on va répéter le tour 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Au tour 19, on va refaire les 32. Et donc, tout ce qu'on a pu répéter ici sur la première partie, c'est ce qu'on va répéter ici sur la deuxième. Dès que vous aurez donc le deuxième motif ici de l'autre côté, vous pouvez simplement ou arrêter ou continuer en reprenant
De nouveau, les premiers tours de base et ainsi de suite. C'est vraiment pas compliqué si vous avez pris des notes comme moi. En fait, c'est assez simple même à faire. Il faut juste avoir les notes et suivre en fonction de ce qu'on a mis. Donc ici, moi, je vais attaquer le tour 19 où je vais faire mes 32 mailles de suite. Donc les 32, pardon. Ensuite, je vais prendre le tour numéro 12. Je vais en faire 16, 14, 16, 14. De nouveau, avoir mon escalier. Dès que j'ai mon escalier, je refais les 32, je reprends un escalier et ainsi de suite. Donc j'espère vraiment, en tout cas, j'ai fait de mon mieux pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Là, je vais continuer. Je ne sais pas du tout combien de tours je vais faire. Bon, si je vais m'arrêter ici dès que j'aurai fait le deuxième motif, si on fait un troisième, un quatrième, je ne sais pas du tout. Je vous dirai, on se retrouve après. Donc là, je n'ai pas terminé, mais je vous montre simplement gentiment l'avancée du mien. Ici, quand j'ai fait donc les 32, j'ai repris. Là, de nouveau, je vais devoir refaire les 32, je vais reprendre les 16, 14 et ainsi de suite. On voit le joli motif qui commence à prendre vraiment forme. Alors ici, je vous montre l'avancée du mien. J'ai fait comme on a fait jusqu'ici. Quand je suis arrivée ici à mon dernier escalier, on va reprendre les 22 points de suite. Après, on va terminer, enfin, faire la partie finale comme on l'avait fait de l'autre côté. Donc ici maintenant, à ce stade, vous avez compris qu'on va faire une première rangée de 8, une deuxième de 8, une de 10, une deuxième de 10, une de 12, une deuxième de 12, une de 14, une deuxième de 14. Alors quand vous avez fait les 2 de 8, les 2 de 10, les 2 de 12, les 2 de 14, c'est de nouveau à ce stade qu'on va reprendre le tour numéro 1, donc les deux tours de la base. Et ça, vous allez reprendre donc cette répétition, pardon, le nombre de fois que vous désirez. Ici, je peux très bien m'arrêter là. Enfin, terminer avec le premier tour pour que nos mailles soient bien fermées les unes avec les autres. Ou répéter ce même motif le nombre de fois que vous désirez. Personnellement, je vais faire encore un petit peu plus grand pour bien vous montrer les super motifs que ça vous donne. Alors à partir de maintenant, il n'y a vraiment plus que... C'est que de la répétition. Alors ici, je vous montre l'avancée du mien, où j'ai répété donc ce procédé-là, 1, 2, 3, 4. Comme je vous ai dit, vous le répétez autant de fois que vous voulez, en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment quelque chose de super joli, qui change un petit peu ce qu'on fait d'habitude. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt.